putain de content d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes heureux de regarder ce clip shop là. Si vous avez cliqué, il y a de fortes chances que ce soit parce que le titre vous a indiqué que c'était pas un clip de merde. Et je vous le confirme, ce clip est hallucinant. Voilà, je m'excite peut-être trop pour rien, je ne sais pas, mais personnellement, dès que je l'ai vu, j'étais comme un ouf. Et je me suis dit, je le veux. Ce que je vois à mon écran, je le veux. Vous ne comprenez pas? C'est normal. Et il faut regarder maintenant. Le petit titre là déjà qui s'affiche va vous donner une bonne idée. Mais on y va maintenant et vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est juste trop d'art ce qu'il y a à l'écran. En tout cas, c'est un clip de la part de The Gamin. J'aime beaucoup son gamer tag, hein, comme souvent, j'aime bien les gamer tags un petit peu PGM. Donc pour l'instant, rien d'extraordinaire, ils montent dans un Mantis, tout va bien. Là, déjà, on voit qu'il y a des trucs bizarres qui s'affichent, hein, des sortes de bombes. Là, on voit un Warthog bizarre qui apparaît, c'est-à-dire sans tourelle et avec une ligne d'éclair, voilà. Encore des bombes qui tombent du ciel, bon bref. Il se passe des choses bizarres, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas un mec qui passe ma vie en matchmaking, mais de ce que j'ai vu en BTB jusqu'à maintenant, j'ai pas vu ça. Et là, ce que vous voyez là-haut, ce n'est pas le Père Noël. Si vous pensez que c'était le Père Noël, non, ce n'est pas lui. Et si vous croyez avoir vu ce que vous avez vu, vous avez bien vu ce que vous avez vu. Tout à fait, tout à fait. Alors, là, on se dit, c'est quoi cette merde? Que se passe-t-il sur mon écran? Que se passe-t-il dans cette partie? Là, on voit encore un Warthog sans toile qui fait un truc chelou, avec toujours cette traînée d'éclairs derrière. Quel est le projet? Eh bien, nous allons voir. Déjà, revenons sur cette petite séquence où les mecs au middle étaient préoccupés par quelque chose, visiblement, et en effet, ils avaient bien raison, puisqu'on voit cette espèce de ligne de bombe qui tombe. Et regardez ce Warthog. Oui, vous n'avez pas rêvé. Non, non, vous n'avez pas rêvé. Alors, déjà, cette petite ligne de bombe qui rappelle un peu, pour ceux qui connaissent Worms, qui ont joué à Worms, où à un moment, on appelle un avion qui fait tomber des bombes un peu de la même manière. Et donc, je me suis dit, autant aller à la source. Et donc, j'ai changé de vue, et j'ai été voir d'où venait ce Warthog. Et ben voilà, c'est ce mec de l'équipe bleue, donc de l'équipe adverse, qui prend un Warthog. Et qui, voilà, s'amuse à voler avec, ce qui est tout à fait normal. Hein. On voyait déjà qu'il était connecté avec Thor, puisque Thor lui envoyait son pouvoir grâce à un éclair qui venait du ciel, visiblement. Et là, on peut constater qu'à chaque fois qu'il klaxonne, eh ben, ça envoie cette ligne de bombe, cette espèce de je sais pas, de soutien aérien, je sais pas comment on peut appeler ça, ce truc un peu chelou, quoi, ce bombardement. Et donc, voilà, hallucinant. Donc, en plus, on regarde que quand on lui tire dessus, il ne perd pas de vie. Donc, je veux bien croire que les bugs dans les jeux en ligne ont le dos large. Là, en l'occurrence, je pense plus qu'en effet, c'est vraiment Thor qui lui a envoyé son pouvoir momentanément pour une partie, pour être gentil. Et du coup, bah, là, il peut voler, il peut faire des trucs de fou. Enfin, voilà, moi, je veux ce Warthog, en fait. Il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres solutions. Je veux juste ce Warthog. Voilà. Pas forcément en matchmaking, je m'en fous. Je le veux juste comme ça. Pouvoir voler avec un Warthog, c'est juste trop d'art. Et voilà, donc à chaque fois, voilà, pendant toute la partie, il fait ce qu'il veut, quoi. Il est invincible, il peut voler et il peut envoyer des bombes. Voilà, donc là, il voulait tuer le Warthog, il n'a pas réussi, mais voilà. Et ce sera ça toute la partie, donc je n'ai pas eu tout le reste de la partie parce que le clip s'arrêtait à là. Mais globalement, c'est ça, un Warthog volant, le Warthog magique. C'est, voilà, le Warthog magique, les gens, ni plus ni moins, c'est un Warthog magique. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit clip shot vous aura procuré du plaisir comme il en aura procuré à moi. En tout cas, personnellement, j'ai jamais rencontré ce genre de situation matchmaking. Si vous avez déjà rencontré un Warthog comme ça ou un truc équivalent en partie, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de votre petite expérience personnelle. Perso, ça m'est jamais arrivé, donc j'étais content d'avoir ce clip. Donc merci The Gamin de nous avoir envoyé ce petit moment un petit peu particulier de jeu en ligne. Hein, ça arrive, il y a des moments comme ça et ça en fait partie. En tout cas, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous invite vous aussi à nous envoyer vos propres clips si vous rencontrez des situations marrantes, cheloues comme ça ou autres. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour d'autres clip shots. Et d'ici là, je vous fais un petit... Hey